some kind of butterfly. Baby, you give me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Yo, tu vas y bien à sol, faut que je le. Alors, maman, quoi? Adam wax na la ba tay na nga baye di and ak mom wayula Mitiri Diop présent Am Sambaké présent Adam Ndjay présent Ali Fall Mansour Bey Djibi Thiaw Dédé Si Lamine Ndoy présent tournoi bi li ngeen gis feulé muy tégué muy coupe bi bal bek la fa ne yeb ngeen gis han waji moko tek football na france 10 ans football na équipe nationale cameroun tamit kon bu ñewé ba coup fi kon lolu ñun dañ cey wara sant du non légui nak mom dina waxal bopam ngeen deg mais avant muy wax xam nga fa mu lire ma deg dal acha Merci d'être venu. Ben, que le meilleur gagne. Ouais. Allez, bonne chance à tous. We'll be right back.
Liverpool. Ça, c'est la coupe du meilleur joueur. J'ai vu des qualités. Il y a moyen de parler à tes parents? C'est ma grand-mère qui s'occupe de moi. Comment tu t'appelles? Mitri. Enchanté. Merci. Vous savez, on dépense énormément d'argent sur des jeunes joueurs. Pour les hébergements, les assurances, l'hôtel, la nourriture. Tout ça là, ça nous coûte très très cher. Donc on demande souvent aux familles s'ils peuvent contribuer à hauteur de 5 millions de francs CFA. 5 millions? Ça, je ne l'ai pas, monsieur. Je ne peux pas. C'est de l'investissement. Après, vous allez toucher un jackpot. Je ne vous promets pas que dès qu'il va arriver, on va lui faire signer des sommes énormes. Mais une chose est sûre, il commencera au moins entre 30 et 50 000 euros. Vous comprenez? Non, laissez-moi le temps de réfléchir. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Merci. Ah, fim ne ni mané na la wo wax la ko boma ci mané dimbalé dal wa waye nak yeen rek ka ma mëna jappalé lumay def wax nga deug ah wa wax na yalla bax na fim ne ni mom xeyna lolo gën dal wa jerejeuf metri man nak jaxlena wotena lu ne def nak bu don sama sago nga def abna beug na nga dem waye nak yalla bu ko tuddul munuma ci dara lu yalla def mo xeyna lolu mo gën mam xalis mom dañ koy out fu lu koy wuté fan la koy wuté metri fan dama lay laaj fan la koy wuté lima wut kay ko telephone di ab di wut fu ne kay metri lo beug ma def wa dañ jaay tol bi tol bi duma ko jaay toujours ma wax lako buma waxati waxu tol bi ci la lay dundale ba nga day ni bu ñore ci lay dundu man buma ko jaay lu may def wa buma deme ñew doto jaay ay mango worul worul lolu duma ci dugg te buma ko waxati affaire tol bi mom buma ci waxati waxam duma ko jaay tay duma ko jaay ëlëk waxna la ko nak buma waxati waxu tol bi wa deggal lima la wax buma toge fi la la fi ya xam yon newu ci خريطة في الليل
Kharito Yalandalo Molukitana Why For my holy Kharito ñi ngi def lu nek mama tout pour ñu yobbu seeni doom ñu tukki te loolu yépp mënu ñu ko am yow nak tay yalla dimbali na la ba nga am ko xamanteni man na yobbu mitri ci visa yobbu ko ci jam kon kañ nak légui da ngay sante yalla ndax bu démé kat suñu taranga lay doon Maman Khadim, je suis en train de me faire un job. Qui est-ce que tu as fait? 20 millions de dollars. 20 millions? Ah, je suis en train de me faire un job. Tu as fait 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 un ndax fi tousu dañuy def buñ naté jox ñi seen xaaliss ñu la jox leen seen xaaliss bu doon lool dong kon sama dooma fi dakk football kon ñu jox ko mu dem waye lool kenn musu ko fé def waye yow sama set mo dakk football sa dooma dooma dakk football fi koy na juroom def kan bokk mu dem sama set dakk football sa dooma motax cameroune bi jël ko eh eh sama ndir deklu taxadi deklu leen fi ciow amu fi wax du fi am nat la dafa wara téggi dina téggi téggé ko dafa wara téggi xaalissam jaru wax jaru wérante dina jël xaalissam mu na rappeler par tek ko tek 200 millions ci loxom mu jël ko 200 millions nak jama dafa touti man fond de caisse bi la soxlo won fond de caisse ta xadi fond de caisse mo xantewu ko ta xadi mais cameroune mbo bu jele mitri yobiko france tay li nga bëgg soti lo def ak ñu xaas jam lolu de jama bu ko xalaat sama set bi ci loxo yu wor la ka tek bu sobe yalla gënant bi sama xaaliss bu sama set bi démé ba ba jox damay ñew fay len ko sama set duñ ko signel ñenti at contrat 4 semaines yi dinañ ko ci fay 50 000 euros ndax rusna ëllëg may jàkkaarloo ñii ma jox xaalis bi yëpp ñu may xoole bët ni kii lekk na suñu xaalis loolu man du ma ko def jam war ngeen maa xam yéen maa leen njaboote ah yéen a yéen a dégg dégg ngeen li mu wax léegi kon daa ko ngeen jël fond kees jox ko ko natt wa jërë ngeen jëf jërë jëf léegi bu ñu rappelé pare moo ñu xaas jox ko tànk di léegi nag comme wax bi jeex na jaratul guddal nañ leen rappelé ñeen parce que dafa guddi dano yàkkante awa jaal demal soo da fay numéro 2 Kumba Sembène Wadjo Mbaye Ndaye Aram Diouf
Adi Sawaré, Kumba Diabaté. Binta Seck, Ami Diouf, Ami Cissé Payen. Fukki Djuni. Fukak Ben. Fukak Nyet. Fukak Nyent. Nyata. Mitré. Wala yalla yobona gor gor te xamna yow xam nga li nga baye sa ginnaw ak yow yaay kan nit ki da ngay sam sa ngol sam la nga doon te xamna yaangi dem xawma dina la gisati am det may sa mam fa xel ba mitri li mala wax nga def ko am li bo demé nang koy tak waxtu woko takke nga xalat ma nga di sama mam momako joxone ne li dama def may sam may ay ñaanal nga dem ci jamm delu ci jamm nalaw Vous êtes tout seul? Non, avec les quatre. Vous pouvez me donner vos passeports, s'il vous plaît? Si. 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 Et vous allez où? À Paris. Allez vérifier ça au poste. Je ne vais pas. Prenez ma place, s'il vous plaît. Suivez mon collègue là-bas. C'est eux les cinq qui arrivent de Dakar, là? Les passeports sont bons? Ouais. Les passeports sont bons. Les visas aussi. Les visas professionnels. Vous venez en France pourquoi? On est là pour faire des tests de foot. Ok, ouais. Vous avez une invitation? Une attestation? Vous vous connaissez tous les cinq, là? Non. Non. Aucun. Vous voyagez ensemble, mais vous vous connaissez pas. En fait, on s'est vu à l'aéroport de Dakar. Donc là, il y a les billets retour pour les cinq. Mais il n'y a que trois invitations. Issa Sibi ? Oui. Djibril Niang ? Oui. Abdou Doucouré ? Oui. Pour vous deux, là, il n'y a pas d'attestation. Quelqu'un qui vous attend, vous y allez comment ? Il y a un agent qui nous attend en bas. Ok. Comment il s'appelle, l'agent ? Non, je ne sais pas son nom. Tu peux aller voir si on le trouve, cet agent? Ouais. Bon, vous restez là. Monsieur Poujol. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'agent des jeunes, non? Oui, c'est ça.
Vous avez une carte professionnelle, s'il vous plaît? Faire une copie de ça? Attendez, c'est quoi le problème? Bon, j'ai l'habitude de faire voyager les joueurs. Il manque quelques documents, quand même. Dans quel club ils sont attendus pour les essais? PSG. PSG, cette semaine, et du 15 au 23, on sera au CERN. Ils vont au PSG, tous, là. Tous les cinq, là, ils vont au PSG. Alors, comment ça se fait qu'il manque les attestations des deux petits? En fait, j'ai eu l'accord de principe de l'AS Paris. Puis je les ai fait voyager tous ensemble parce que ça me coûte moins cher. Bon, les trois premiers, ils rentrent, il n'y a pas de problème. Mais pour les deux autres, moi, tant que j'ai pas l'attestation du club, ils rentrent pas. Eh ben, je vais appeler ma secrétaire et puis elle va vous faxer ça dans l'heure qui vient. Ouais. Vous savez que faire rentrer quelqu'un illégalement sur le territoire, c'est un délit. Surtout si c'est un mineur. Oui. Donc là, on va attendre les attestations, et puis si elles n'arrivent pas dans l'heure, monsieur, ben, vous risquez la garde à vue. Vous avez un téléphone. Je vous remercie. C'est quoi, c'est le gamin? Je n'ai pas le droit de prendre de mineurs. C'est interdit, tu le sais très bien, connard. En plus, tu les envoies sans invitation au club. Ah, on était beau au poste tout à l'heure. Putain, j'aurais pas eu un pote à la S Paris. J'étais en garde à vue. En garde à vue carrément. Et tes mots, ils seraient déjà dans l'avion. Tu leur as pris du pognon au porte. Hein? Mais t'as pris du pognon, tu crois que je ne sais pas? Et alors, t'es en train de te gaver, moi je mange ta merde. Ils jouent à quel poste les deux petits? Ah. Eh ben qu'est-ce que je fais? Ben je me démerde. Je vais essayer d'arranger ça. Mais tu me refais jamais un coup pareil. Hein. Allez, merde! Et les gamins, gardez sur votre gauche. Il y a un match ce soir. Bon, là, il y a un plumard. Là, il y a une chambre avec deux lits. Là, c'est la cuisine. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Une plaque chauffante, il y a un peu de bouffe dans le frigo. Salle de bain. Bon, les gars, je vais pas pouvoir rester avec vous ce soir parce que j'ai des trucs à faire. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. À demain. Maman, le gars, m'a arrêté de faire. Il me fallait l'idée. T'as de l'intuition? Je le dis. Ça va, mon grand? Allez, prépare-toi, là, c'est le grand jour. Vite! Allez, allez! Ça va, toi? Va vite chercher les affaires. On y va! Et dépêche-toi. N'oublie pas tes godasses de foot. Vous restez là. Vous êtes en vacances jusqu'à demain. Profitez-en. Restez tranquille, reposez-vous. Mais monsieur, moi, je suis pas fatigué. Je peux faire les essais. Aujourd'hui, c'est les grands. Je vous ai mis un peu de bouffe dans le frigo. Et une surprise. Allez, à demain! Allez, sors. Fi xamni sax fa lañu mëna julé. Thank you.
Allah Akbar. Allah Akbar. Ça va? Oui, ça va. C'est toi l'attaquant? Oui, c'est moi. Ben, ramasse tes affaires, je t'ai trouvé un truc. Oui, d'accord. Hé! Hey. Prends ça. Merci. Tout doux. Maître Diop. T'as un nom de champion, ça? Ouais. Tu sais, je sais pas ce qu'ils foutent là, ils devraient être là. Je vais aller voir à l'intérieur. Allez, continue, je reviens. Hein. D'accord. Réveille-toi là. Réveille-toi, je te dis. Allez. Qu'est-ce que tu fous ici? Comment t'es rentré? Je suis là pour faire des essais. Des essais? Il n'y a pas d'essais ici. Hein. Allez, bouge, bouge. Il va arriver là, il va me casser la tête. Sors. Allez. Prends ton sac là. Allez. Dépêche-toi. Dépêche-toi, hein, je te dis. Thank you.
champion du Sénégal. Qu'est-ce que tu veux? Je vais appeler. Je vais appeler, tiens. On a une. Je vais appeler au Sénégal, mais j'ai pas d'argent. Eh, tu n'as pas d'argent et puis j'ai qu'à faire quoi? Oh, même si tu savais mes problèmes, j'ai plus de 4400 personnes à nourrir de mon pays là. Donc mon petit, va travailler comme tous tes copains. Oh, mais toi, tu es joyeux quand même. Hein? Tu crois qu'on chie l'argent ici à Paris? Donne-moi. Va appeler. Merci beaucoup. Faut pas durer, hein. Sénégal, parle beaucoup là-bas. Maïs Diam, ça va? Maïs Diam, Kay? Wa mam nenañ fi wax une semaine dina signé contrat nenañ meun na football trop yalla baxna yalla xamna di ko am lo ko ñaanal bu def feccu deug la sa xarit ci taw ak yam ñepp ngi lay ñaanal da ngay gëm yalla crédit bi bari wu wa ni Mais y'a quoi? Tu as un problème au pays ou quoi? Non. Mais pourquoi tu es fâché comme ça alors? J'ai faim. Tu as faim? Tu n'as pas mangé? Non. Depuis combien de temps tu n'as pas mangé? 4 jours. 4 jours sans manger? Tiens! Hey là, tu n'as pas de famille ici ou quoi? Non. Ah. Bonjour, ça va? Hey. Viens, viens, je te montre. Hey, les petits, petits oiseaux là. C'est le petit là que j'ai amené. Tu veux manger quoi? Tiens, non? Hein? Donne-moi, tiens. Tu manges poulet, non? De toute façon, tu manges tout. Tu as faim. Quand on a faim, on mange tout. Tu vas bien manger, hein? Là, il y a les couchettes. Si tu veux de l'eau, voilà, là. Il y a 40 devant. Tu veux piment? Non, non, c'est bon. Tu aimes le piment? C'est bon. Oh, mais petit, c'est pas du sel, hein? Tu n'as pas mangé chez toi, là. Tu n'as plus mangé dans ta sauce. Ousmane, putain, ça va être ça. Depuis 17h, on cherche une chambre. Que deux nuits, c'est tout. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Et je te dis, deux nuits. Comme si tu n'as pas un peu souffrance. Ok, c'est pas grave. Ah, tu es gentil. Dieu va t'aider. Mitri, bon, tu vas dormir ici, hein. D'accord? Hein? Bon, moi, je vais y aller. On se dit à demain. Eh hey, Fatou. Oui. Y a pas moyen de dormir chez toi? Non. Chez moi c'est trop petit. Et puis mon mari il est fatigué, vraiment. Mais ton mari si il est fatigué, moi je suis pas fatigué. Hein. Mais je veux dormir avec toi. Yeah. Toi comme tu es rassasié, tu peux me parler comme ça. Tu as bien mangé de riz, hein? Là tes yeux là ça brille, pra comme ça. Hein? Bon, à demain, petit voyou. Ouais, à demain.
j'ai amené une femme qui est là. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis assistante sociale. Non, faut pas avoir peur, hein, je suis pas de la police. Mais faut pas t'inquiéter, il y a pas la police, il y a déjà vu la police. Ça n'existe pas la police. Non, non, je suis là pour ton bien. Dis-moi, Mitri, t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans? Et est-ce que t'as de la famille en France? Non. Personne? Bah, écoute, moi, je suis là pour essayer de t'aider, donc on va trouver une solution pour toi. Est-ce que t'as des affaires? Oui, ils sont en haut. Ils sont en haut? Alors, il faudrait que t'ailles les chercher, puis que tu viennes avec moi, tu vas me suivre. Faut pas t'inquiéter du tout, mon petit. Elle est là que pour t'aider. Tu as compris? Merci, Fatou. Fais-moi confiance. Allez, viens, viens, Mitri. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Mitri, ça va aller, hein? Faut pas t'inquiéter. Ok. C'est très bien. Est-ce que quand tu étais plus petit, tu as eu des maladies graves? Ah, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Donc tu n'as rien eu de grave? Tu n'es jamais allé à l'hôpital? Si. Pour quelle raison? Oui, j'avais diarrhée. Tu avais des diarrhées? Et ça s'est guéri? Oui, oui. Ces derniers jours, tu n'as pas eu de diarrhée? Non. Ouvre la bouche. Tu n'as pas de problème avec les dents? Non. Elles ont l'air, elles, à peu près en bon état. Est-ce que tu as compris que le football s'était râpé pour l'instant? Non. Non quoi? Tu as toujours en tête de vouloir être footballeur? C'est ton droit le plus absolu. Le problème, c'est la réalité. La réalité, c'est que pour être footballeur en France, lorsqu'on a 16 ans, il faut un contrat, passer avec un club qui assume ta formation. Et pour l'instant, tu n'as pas ce contrat. Est-ce que tu sais combien il y a de footballeurs professionnels qui vivent en France? Du football, tu sais pas. Moins de 2000. Il faut être très très fort. Donc t'es peut-être fort pour l'Afrique, mais t'es peut-être pas très très fort pour jouer dans un club professionnel. Ok. Alors, une fois qu'on en est là, le problème pour toi, c'est de savoir ce que tu vas devenir. Bon, tu veux rester en France. Il s'avère que tu as le droit de rester en France. T'as moins de 18 ans, donc t'es pas expulsable. Alors maintenant, sur ton projet... J'ai compris qu'il y avait un foyer en province, je ne peux plus souvenir où vous aviez trouvé. À Montbéliard. Donc il y a un foyer qui peut l'accueillir. Mmh. Donc dès que tu y seras, tu feras des tests d'orientation professionnelle. Tu n'as aucune inquiétude à avoir jusqu'à tes 18 ans, donc tu es hébergé. Tu formes ce projet professionnel. D'ici là, avec l'aide de l'aide sociale, on va essayer de te régulariser. Et on t'aide jusqu'à 21 ans. Mais n'oublie pas, 21 ans, on est obligé de te lâcher. Donc il faut que tu sois autonome. Tu as compris? Oui, c'est clair. C'est clair. Ok, allez, on en reste là. Merci, monsieur le juge. Service, s'il vous plaît, là. Table 6, table 5. J'ai 4 amuse-bouches et 2 amuse-bouches. Allô, chef, j'annonce. Table numéro 1, découvert. Potage cultivateur, poursuivre. Poursuivre. Deux poulets sautés chasseurs. Poursuivre. Garniture, purée de pommes de terre, courgettes tournées. Poursuivre, poulet de chasseur. Poursuivre, purée de pommes de terre. Poursuivre. Pas poursuivre, la purée de pommes de terre, c'est la garniture du poulet chasseur. Oh, regarde-moi. T'as envie d'être serveur? Tu veux en faire ton métier plus tard? Alors faut y aller, faut donner de l'envie. Ok? Ouais. C'est pas ouais? Ouais. C'est oui, chef. Oui, chef. Voilà. Allez, passe-moi le bon. Donc là, il faut qu'on se dépêche parce qu'on a à 3 heures, on a fini. Hein, faut qu'on se dépêche. Et Jonathan aussi. Oui. Si t'as 5 minutes, tu ramènes la vaisselle propre. Madame. Faut pas les essuyer les assiettes.
Oui, bien joué, Célib. Ouais. Faites circuler, là, parlez-vous, Anthony, c'est bien. Bien joué, ça, excellent. Largeur, profondeur. Monsieur, hey, je peux jouer ici, s'il te plaît. Les inscriptions sont en septembre. Oui, Kendrick, montre-toi. Hey, monsieur, laisse-moi jouer, s'il te plaît. Et tu vois pas qu'on est en entraînement, là? Ouais, change, change. Oui, bien joué, Pontus. Allez, vers l'avant. Ah, tu dis quoi? Je vais jouer. Allez, va prendre la chasuble. Tu joues avec ce qu'on le ballon. On va voir combien de temps tu peux courir comme ça. Hé, gars, ça joue! Fais gaffe à pas te planter avec tes pompes, là! Entraînement, c'est tous les mardis, 18-20h. Tu me ramènes ça pour la semaine prochaine. Il me faudra 65 euros pour la licence. D'accord. T'as des crampons? Oui. Ben, c'est bon, à mardi, alors. Merci, monsieur. Alors, t'es bien installé? Oui. Tu décores pas ta chambre? Non. Bah ben, pourquoi? C'est dommage. Bon, ça va. Pourquoi tu mets pas des tissus? Vous avez tellement belles couleurs en Afrique. Ou alors, ça se passe bien? Madame, moi je veux plus vivre ici. Cette fois est là. Je veux plus rester là. Bon, pourquoi tu as fait connaissance avec tes voisins? Mes voisins? À côté là. Il y a un vieux, tout le temps il est sous. Il crie la nuit, il m'empêche de dormir. C'est monsieur Bourquin. L'immeuble, les gens me dérangent, ils me fatiguent. Il parle beaucoup. Les gens sont moches. Les vieux sont moches. Les femmes sont très dégueulasses. Dégueulasse, merci. Et l'école, ça te plaît? Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as amené dans ce foyer de merde-là, qui m'as laissé ici. Mitri, pourrir. Mitri, oh, tu t'arrêtes, hein? Tu es arrivé avec un rêve. Quelqu'un t'a raconté une belle histoire, mais la réalité de la vie est bien plus cruelle. Moi, je sais pourquoi tu veux pas m'aider. Parce que je suis sénégalais. Mais si c'était un Français en train de pourrir là, tu vas l'aider. Ah non, ça, on peut pas me traiter de raciste. Moi, je connais très bien l'Afrique. Je fais même de la danse africaine. Alors. Moi, j'ai trouvé mon activité. Ah bon? T'as fait vite, c'est bien. Et qu'est-ce que t'as choisi? Football. Bah écoute, c'est bien, on va te payer l'inscription. Il faut me payer des chaussures. Allez, tête sud-là ! Allez, allez, tête sud-là ! Allez, allez, vas-y, allez ! Montrez-vous dans les intervalles ! Allez, vas-y, allez ! Allez, tête sud-là, allez ! Vers l'avant ! Allez, sortez sur le porteur ! Anthony, sortez-vous, allez ! Parlez-vous ! Parlez-vous ! Monte, Anthony, monte Anthony, marque-le, le 7, marque-le, sur le ballon. Je vais, je vais. Allez, mon vieux, sinon tu passes pas, hein. Allez, tu passes pas. Vas-y, Anthony. Allez. Vas-y. Allez, donne. Anthony, lâche le ballon. Oh. Ah oui, lâche le ballon, hein. Anthony, merde. Hey, tu joues pas tout seul, hein, gosse, hein. C'est l'arbitre. Anthony, tu sors. Mitré, tu rentres. Ok, les gars, remplacez, mec, remplacez, remplacez. Allez, vas-y. C'est quoi cette affaire? Je sais pas. Allez, 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 les gars. Allez, 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 all
passe, pourquoi tu le fais sortir? Il est fatigué. Il est fatigué? Fatigué, Anthony? Non, je suis pas fatigué. Alors? Il a besoin de sortir, c'est moi qui décide, point final. Ah ouais? Sortez sur le porteur! Tu comptes sur qui pour marquer? Il y a que lui qui joue, tu vois pas? Et c'est qui l'entraîneur, toi ou moi? Ça va, c'est bon, on va pas s'engueuler. Hey, tu vas pas la douche là? Je vais me doucher chez moi. Je suis pas chez toi, je vais pas te doucher. Crasseux. Hey Slimane! C'est quoi ce bordel? Oh Slimane, tu m'écoutes ou quoi? Allez, dans 10 minutes, tout le monde dehors. Oh, Mitri! Ouais? Y a téléphone pour toi, ça va être juste à l'école. Hey, Youssef! Ouais? Dis-lui, je suis pas là. Ok. Ça n'a pas entendu entrer. Toujours pas acheté de liquide vaisselle? Ah oui, merde. Ça va? Bah c'est ça, vas-y. Fais comme si de rien n'était. C'est encore mal entraîneur, non? Comme ce super-U, là, avec son pognon. C'est pas parce que c'est lui qui paye les maillots qu'il peut se permettre de me dire ce que je dois faire. Eh ben, c'est pas une raison pour lui parler comme tu fais. Hein? À chaque fois, on a l'impression que tu vas lui sauter à la gorge. Franchement, tu pouvais faire sortir quelqu'un d'autre. Vous voulez faire l'entraînement à ma place? Non, non, je voudrais juste que t'arrêtes d'agresser tout le monde quand on te fait une remarque. C'est qui, ce nouveau? Tu l'as dégoté où? Il est sorti du bois. Mais il est du coin? Je crois pas, il crée son foyer. Il joue bien? Si. C'est beau de le regarder jouer. On devrait l'inviter au mariage. Pourquoi faire? Je sais pas, pour qu'il rencontre des gens, qu'il se fasse des copains. Il connaît déjà Anthony, non? Tu vas inviter un gamin qu'on connaît pas juste parce qu'il est noir et qu'il crève de faim. Il a pas de mousse au coin des yeux, hein? Que débrouille-toi, trouve-lui des fringues. Mais... En tout cas, moi je l'invite et c'est moi qui décide. Allez, salut vieil ours. Je repasse jeudi. Hmm?
Putain, monsieur, c'est toi, là. Tu as joué avec Maradona? Contre Maradona. Et monsieur, tu joues où? Ici à Sochaux. Sochaux? Championnat de France. Tu as joué là-bas? Et donc, monsieur, toi, tu es joueur professionnel? Enfin, il y a longtemps. Eh, monsieur, ta cravate là, elle est magnifique. Merci, c'est gentil, je vais le faire. Eh, monsieur, toi, si tu parles avec le directeur, va me laisser faire des essais. Alors, attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que t'as poussé un petit peu le ballon au bled qu'il faut croire que c'est arrivé. T'as pas le niveau, mon gars. Même chez moi, je t'ai rien fait. Moi, je parle avec toi correctement. Peut-être moi, je vais pas compter sur moi pour réparer avec ces connards. Alors, file ta chemise, on va pas camper là. Il y aura des détecteurs? Ah oui, dis-lui. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Pourquoi tu fous de la merde dans la tête? C'est pas vrai, ils viennent pas repérer à la finale? Il n'est pas rendu en finale. Ah, qu'est-ce que t'en sais d'abord? Qui vient? Ah bah, toi, c'est bon. Allez, viens, on va danser avec les jeunes, s'amuser. Je suis dans la paix.
impossible, ça. Tu vas sortir. Viens là, viens là, viens là. Viens là, arrête. Je la ferme. Fais chier. C'est qui ton frangin, là? Tu peux pas t'en faire. Ça fait 20 ans. Allez, donne-moi tes clés. Donne-moi tes clés. Tu donnes tes clés, ça. Dormir là-haut. Allez, sucre, si tu veux. Tu manges pas? Si. Ma vie est là 120 euros, dingue. 70 000 francs CFA là. Ah, maman, tu sais, si tu signes un contrat pour que tu développes le cash, il y a un problème. Je vais te donner un cash. Bon, je vais te donner un cash. Bien, alors, vous avez bien entendu les paroles? Allez, Charlène, tu vas venir au tableau, s'il te plaît. Alors, la terre d'Abraham, est-ce que vous pouvez l'aider? Abraham, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh ben, un pote à Jésus, ça s'appelle Abraham. Un pote à Jésus. Continue. Un pote à Jésus. Van Gogh, ben ça, ben j'avais déjà marqué. Van Gogh, c'est le pote au truc du Louvre. C'est ça? Est-ce que vous connaissez... Amsterdam, c'est pas loin. Il y a du un douche. Tableau. Charlène, est-ce que tu connais un tableau... Est-ce que tu connais un tableau de Van Gogh? Un tableau très célèbre. C'est un autoportrait. La Joconde. La Joconde. Sympa, mais faudrait pas non plus me prendre pour un con.
pognon, tu vas me le rendre. Qu'est-ce que tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Que ça me tombe du ciel? Je m'en fous que tu l'aies déjà dépensé ou quoi, ça me regarde pas, tu te démerdes, tu me le rends. Et puis les entraînements, les matchs, tout ça, tu peux faire une croix dessus. Quoi? Ça veut dire que je vais pas jouer la finale. La finale? Quelle finale? La finale avec les détecteurs du FC Sechaux. Exactement. Ça veut dire que tu joueras plus rien du tout. Fallait y penser avant. Allez, débarque. Bonjour. 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 Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Moi, je voudrais passer des essais ici. Oula, on peut pas faire des essais comme ça chez nous. Vous jouez où? Nulle part? Non. Alors, il faut d'abord vous inscrire dans un club, parce que chez nous, vous inscrivez dans un club, nos recruteurs vont voir les matchs. S'ils vous trouvent suffisamment bon, ils vous feront venir pour faire un essai au centre. Tu sais, madame, quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait une histoire. Elle me disait souvent que c'est les jolies femmes qui aident les gens. Et madame, toi, tu es très belle. Je te trouve formidable. Non, mais c'est gentil tout ça, mais ça change rien à ce que je vous explique. Si tu me laisses jouer avec les chocholis, je vais te payer ton mariage. Je vais t'acheter une jolie robe. Je vais t'acheter tous les accessoires femmes. Je te le jure. Ouais, non, mais vous êtes amusant, mais c'est pas possible. Je vous explique juste comment nous, on fonctionne. Eh, madame, toi, tu es assise ici, tu sais qu'attraper ton ordinateur et dire les gens non. Si c'était ton fils, tu vas l'aider à faire des essais. Madame, toi, tu es très méchante. Non, mais attendez, attendez, vous exagérez là. Je suis pas méchante, je suis en train de vous expliquer comment ça marche. Il fait pas l'entraînement, le petit Sénégalais? Petit Sénégalais, comme tu dis, il m'a fait les poches le soir de ton mariage. Il m'a piqué 120 euros que je ne verrai jamais. Merde. Je l'envoie se faire voir ailleurs. Mais tu vas le laisser revenir? Ben non, ça lui fera les pieds. Serge, il pense qu'à jouer au foot, il a que ça dans la vie, tu vas pas lui enlever pour 100 euros? 120. C'est un gamin. Et alors, les temps qu'il apprenne. Tu t'arranges vraiment pas en vieillissant. Tu sais quoi? Si t'étais un mec sympa, non seulement tu le laisserais revenir, mais en plus tu l'aiderais à rentrer à Sochaux. Ah, je sais pas, c'est pas compliqué. Tu veux pas demander à tes anciens collègues de regarder un gamin jouer, c'est ça? Ah oui, en fait, ça t'arracherait la gueule de leur demander un service? Alors voilà, parce que toi, t'as merdé, il faut que tout le monde merde?
Qu'est-ce que tu fous? Tu veux attraper la mort? Ça fait combien? 12. Pas mal. Tu viens à l'entraînement mardi? J'ai pas l'argent. On le rendra plus tard. Merci. On me remercie pas. Je sais pas, ça pourrait être sympa, c'est purement intéressé. Pour une fois qu'on va en demi-finale, je serais pas me prendre une branlée. Allez, mardi. H24 dans les halls, tous les mois ça change d'adresse. J'ai N308 police, on connaît toutes les questions. Des bonhommes sur le rinté, y'a pas de délicatesse. Mets des tempêtes au cœur, comme volter sa vitesse. La première à la sixième, sur ma boîte de vitesse. Enfin, un main est fâché, me taperai une hôtesse. Y'a pas de politesse, je soulevais que tes fesses. La grosse dynamite qui fera péter ta forteresse. En couverture, à quel monde d'un cran. Selim, presse. Très bien. Bien joué, Mitri. Mitri, joue vers l'avant. Allez. Attention, les gars. La mer. Vas-y, passe. Lâche le ballon. Ouais, Mitri. Lâche le ballon. Passe. Mitri. Passe. Voilà. Lâche le ballon. Mais passe, bordel. Seul, c'est chiant. Oh, Mitri, tu dégages, c'est Anthony qui tire le coup franc. Au coup de sifflet, s'il vous plaît. Et Mitri, tu veux jouer tout seul, je t'achèterai un ballon. On continue comme ça, on est bien en place. Allez, faites jouer le porteur. C'est bien. Attention, on est en retard sur l'appui soutien. Kendrick, prends le joueur lancé. On revient. Faites-le fort. Sors sur le porteur. On se replace. Gaffe au deuxième poteau. Bon, pendant 35 minutes, on a joué au foot. Et après les 10 dernières minutes, on ne fait que de la merde. Alors quoi, parce qu'on mène 1-0, on se prend les roues du pétrole? Hein, qu'est-ce que vous croyez? On est en match. On n'a pas le droit de se relâcher, jamais. Alors, il y a deux solutions. Soit on se laisse marcher dessus, on oublie la finale, soit on leur montre qu'on en a dans le slip.
Il reste 45 minutes pour faire la différence. La balle est dans votre camp. Sortez, les gars, sortez! Salut, champion. Salut. Mitri ? Ouais. Ça va ? Oui, ça va. Tu rappelles le Sénégal ? Oui, je vais appeler demain. Non, non, maintenant, c'est urgent. Et moi, monsieur, j'ai pas de carte de téléphone. C'est pas grave, tu peux appeler depuis mon bureau. Oui, si tu veux. Eh bien. Mais Wahni. Ça va? Écoute, si tu veux rentrer pour l'enterrement de ta grand-mère, je sais pas, je peux voir si on peut pas trouver l'argent du billet. Je veux pas aller au Sénégal. Ben pourquoi, t'as pas envie d'être avec ta famille? Quelle famille? Je sais pas, moi. Quoi? Toi, tu comprends rien du tout. Ma grand-mère a emprunté de l'argent. Pour que je vienne jouer en France. Si je retourne au Sénégal, tout le monde me regarde comme ça. Comme ça. Et me dit, ta grand-mère me devait cette somme-là. Comment je peux payer cette somme?
ce que j'y fasse, moi. Moi, je n'ai rien à foutre de ton billet d'avion. Tu veux m'aider? Aide-moi à devenir joueur de foot. Une fois professionnel, je pourrais payer la dette de ma grand-mère. Salut Marcel. Comment suis-je? Ça va. Je vais montrer l'usine aux gamins. Ok. Merci. Tu vois tout ça? C'est la Peuge. Ici, on mange, on dort et on crève Peugeot. Quand j'ai commencé, ils m'ont mis sur la ligne de montage carrosserie. J'ai monté SH de 504. Maintenant, je suis à l'emboutissage. Et mon père, lui, il a fini chef d'atelier. Quand ils m'ont viré du club, j'ai cru que j'allais trouver ailleurs. En fait, je me suis vite rendu compte que les clubs, ils se passent le mot. J'ai tellement foutu le bordel à Sochaux que j'étais grillé, quoi. J'ai pas 20 ans sans diplôme, pas de qualification. Moi, j'ai fait comme papa. En même temps, j'ai pas un plein, hein, c'est moi qui ai merdé. J'ai envoyé chier tout le monde, même les gens qui voulaient du bien. Le foot pour durer, il faut être bien câblé, bien dans ses pompes. C'est pas le talent qui fait la différence. À ton âge, j'étais largement aussi doué que toi. Le combat, il est là. Oh, vous êtes bien battu pour en arriver là! Elle n'a pas fait tout ça pour rien, oui ou non? Alors maintenant, cette finale, on va l'arracher. Parce qu'il n'y a que les victoires qui restent dans les mémoires, le reste, c'est de la littérature. Moi, je suis prêt à aller à la guerre avec vous. On a des qualités, on peut les emmerder. On a deux bons frappeurs, on en profite. Sur tous les coups de pied arrêtés, on y est. Et on donne tout ce qu'on a, on ne calcule pas. Mais si on donne tout, ce n'est pas pour soi. On joue ensemble. On joue pour l'équipe. Hein, Mitri, Anthony? On construit. On a commencé une belle aventure, maintenant on va l'amener au bout. Et surtout, restez vous-même. Et profitez, c'est un beau jour. Allez, en piste. Occupez l'espace. Attention, on n'est pas en place. On revient. Allez, Dina, on y va! Offrez des solutions! On écarte! Jouez ça, Black Hell! Simon! C'est bien, Anthony! Serge, ils sont où les détecteurs? T'occupes, joue! Continue comme ça, c'est bien! Serge!
Anthony, ouais. Anthony, dis tout. Ils sont pas venus ? Non. C'était bien. C'est bizarre ? C'est pas bizarre. C'est précisément parce que c'est moi qui suis en finale qu'ils sont pas venus. Ils se foutent vraiment de ma gueule, ces connards. Tu sais quoi, je vais aller les voir, moi. Mitri, on y va. Tu sais que j'étais en finale cette année. Oui, je sais, oui, j'ai lu ça dans la presse, ouais. Comment ça se fait que t'as envoyé personne ? Écoute, tu sais très bien que c'est une compétition qu'on suit pas régulièrement, voilà. Mais non, mais si on est monté en finale cette année, c'est pas par miracle. C'est parce que j'ai un joueur. Un gars qui devrait jouer chez vous, pas chez moi. C'est qui ? Lui ? Mm-hmm. Ouais, ben écoute, faudrait qu'on voit. En tout cas, cette année, c'est râpé. Tu sais très bien qu'on recrute pas en cours de saison, donc on le verra l'année prochaine. Si vous êtes encore en finale, pourquoi pas ? Ouais, c'est sûr. Je suis juste un petit entraîneur de merde dans un petit club de merde. Ah ouais, toi. Hein? On n'est pas le grand FC Sochaux-Montbéliard. Serge, c'est bon, allez. Bon, écoute, Serge. Serge, merci d'être venu. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas. Allez, au revoir tout le monde. Où tu vas? Come on, you
se casa, di cubo mi sa chighe, di mi se casa flata, di mi se casa fe cofe, di se caia le caccia, fermo mai mi se caban, fermo mai di se caban. Mais t'es pas content? Si. C'est ma grand-mère. Je ne peux pas lui annoncer la bonne nouvelle. Écoute. T'as perdu ta grand-mère, c'est dur, je sais. Mais c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant toi. Tu vas te faire plein de copains. Les couches vont te sauter. Ça remplace pas une grand-mère, mais c'est quelque chose, non? Puis c'est ce qu'elle voulait pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Serge? Si je pourrais retourner chez toi. Écoute-moi, Mitri. Quand les parents viendront pour tes copains le vendredi soir, c'est moi qui viens de la chercher. Et les bulletins de notes, c'est chez moi qu'ils arriveront. Et les coups de pied au cul, c'est moi qui les donnerai. Ça va comme ça? D'accord. Will my men, 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 will
Moi, tu ne me vois pas.